Bonjour, c'est Grifox. Petit colis, là je suis un petit peu sur les nerfs, je viens de me prendre un Xel et Nuyop. Bon, j'ai gagné, mais ça m'a saoulé, le combat était ultra désagréable. J'espère vraiment que là je vais avoir un truc un peu qui ressemble à quelque chose, parce que voilà, je suis un peu à cran là. Bon, on va dire que ça va aller, on a de l'ennemi en face, on va mettre les esquives PA, hop. Et on va dire bonjour. Ah putain, allez, je vous mets des petits extraits du combat d'avant. Oh, y a tellement rien à faire en vrai. Allez, hop. De toute façon, la retraite anticipée. On connaît, hein, on connaît. On connaît. Ah, surprenant. C'est bien, c'est pas du tout le même combo que d'habitude. Bon, allez, maintenant, on va y aller à la légumisation. C'est quoi, c'est la roulette là qui est buggée sur l'affichage, ok. Ah, il joue en dégâts à distance? C'était pour que le sac animé ne crève pas tout de suite. Ouais, sur la fureur, c'était bien joué. Et là, bah, j'ai plus de dégâts quasiment, hein, c'est bien. Hop! Ok, je le ramène, ça c'est ce que j'avais prévu. Voilà, il le passe à fond, bien sûr. Hop, il me remet le... Ah, il me rapproche le... Ah ouais, d'accord, c'est pour y aller là, bah, je me suis... Oh, Thanos, mais c'est quoi? Ils ont fait quoi sur Dofus, là? C'est... Franchement... Bon, je vais rien dire, mais c'est... Bref. Et après 11 tours à jouer comme une quiche, on va enfin pouvoir terminer ça. Je déteste cette espèce de mode là. C'est vraiment désagréable le Yup et Nu Xelor. Allez. Putain, ça dégage, enfin. Oh, ça m'a saoulé là, je me suis... Bon, du coup, je vous aurais pas mis le combat là, mais je me suis vénère comme pas possible. T'as 27 minutes contre ça. Avec des fails dans tous les sens des deux côtés, enfin c'était un combat de manchot, vraiment c'était ridicule. Et c'était insupportable quoi, avec Lienu qui jouait avec sa bêche carnivore là, qui met 1200 en zone pour 4 PA, enfin bref. Allez, on passe à un vrai colis parce que là... Bon, donc nous voilà dans le... Nous voilà dans ce colis, Eni et Nuyop. Bon bah très très belle compo, hein, belle synergie, on connaît. Musette animée direct, d'accord. On a des belles esquives PA en face, a priori. Ah non, pas sur les nus. Bon, je vais essayer de le légumiser au maximum. Les nus qui va pouvoir empêcher ma cope très facilement. Il a juste à faire une retraite T2, ça c'est un peu triste. Ah bah, il l'a fait T1, alors ça c'est... Ça c'est un poil surprenant, du coup. Ok. Alors, dans ce cas, ça veut dire que j'ai juste à me faire... Le flou ici. Le contre, je vais le mettre sur mon Xel. Ou alors j'y vais au vol du temps. Ouais, je peux pas faire de vol du temps, ça c'est la partie un peu triste de l'histoire. Bon, on va mettre un contre ici. On va mettre une cabotte ici, des fois que ça me sert à quelque chose, et je peux pas faire grand chose de plus. J'aurais même pu jouer plus vite, histoire de récupérer des secondes au tour d'après, ce qui aurait été pas mal. Pas grave. L'Eka Flip, là je vais pas pouvoir stimuler mon Eka, c'est un peu embêtant. Moi qui voulais t'affronter, je joue avec mon Xel. Oui, bah moi je joue avec mon Eka, hein. C'est pas du tout ma meilleure classe. On va faire une roulette. Ou non, même pas, on va faire tout simplement du boost. Est-ce qu'un odorat c'est utile? Ouais, on va faire un odorat. Hop. Que là, a priori, je vais pouvoir ramener quelqu'un, hein, comme il a mis la retraite tour 1. Bon, ça m'empêche de placer mon jeu, mais ça va pas m'empêcher de cop, du coup, il le regardait pour le tour d'après, ça m'aurait empêché de cop. Alors là, par contre, je vais quand même être un peu... Je crois que j'ai mis ma caboîte pile poil là où fallait pas la mettre, ce qui est un peu ridicule. Des fois, on veut vraiment utiliser ses PA à tout prix, on fait de la merde. Du coup, bah, je pense qu'en fait, je vais la péter. Allez, hop, voilà, ça fera le glyph, on va dire que c'était utile pour le glyph. Bref, là, ouais, là je peux aller chercher le Yop, mais du coup il faut que je sois pile à la place de la caboîte pour chercher la cope. C'est dommage que les cannes ne soient pas non plus dans la zone. Ah, j'aurais pu faire roulette single juste pour prendre les deux PA, mais bon, ça m'aurait enlevé du boost, donc au final je suis même pas sûr que ce soit rentable. Il fait une décadence sur le Yop et une accès, donc il va peut-être me rush. On va voir ça. Si réécrit sur le Yop, 31% de rester, les dégâts devraient bien passer dessus. Alors là, il fallait à tout prix que j'aille tacler les nids avec mon Xel. Il va falloir que je me débrouille pour faire ça. Alors moi, hop, comme annoncé, je vais par là.
Je vais mettre le cadran ici, histoire de ramener Liop et que mon Annie prenne le boost. Hein, du coup, l'Ekaflip ne le prendra pas, mais c'est comme ça. Hop. Oh, je peux même faire ça. Allez. Tant pis, je ramène le Xel du coup, mais ça sera quand même intéressant. Hop. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a la musette. C'est triste ça. Hop! Voilà, comme ça je viens ici, je tête le Yop, ce qui pourra servir. Plus je me suis fait le contre sur le Xel. Ah non, je l'ai mis sur l'Eka. Du coup, la Lenny peut se ramener sans difficulté. Ok. Et là, il est. Il peut mettre du retrait, mais il ne peut pas faire grand chose de plus, hein, il est en pacifiste. Bon, le retrait passe quand même bien. Il fait pas des énormes esquives. Il met un peu de soin sur le Yop, mais là du coup il se prend un tour avec plein de PA où il n'est pas très utile. Il aurait fallu que ce soit après que j'ai tapé, hein, bien sûr. J'aimerais bien qu'il vienne me donner une petite zone à mes aventures là. Non, malheureusement ce sera pas le cas. Alors là je vais éroder bien sûr. Moi bon, j'ai 16 PA, j'aurais pu en avoir bien plus. On va mettre le corollaire. Hop. Ainsi que l'entrechat, je pense, histoire d'aller chercher ici une zone un petit peu plus sympathique. Ensuite, rugissement. Hop! Et là, bon bah, j'y vais hein, sur les dégâts qui sont du coup partagés entre les trois, ce qui est un peu triste pour moi. Mais on fait avec. Hop! Alors, si j'avais eu un peu plus de PA, j'aurais peut-être pu aller chercher la zone sur la mésaventure, ce qui aurait été bien. Mais là, je suis vraiment dans l'optique d'érosion sur lui. Ouais, non, ça aurait été bien, mais je vois pas trop comment j'aurais pu le faire de manière rentable au niveau des PA. Il y va sur mon ennemi, lui. Alors lui, pour le coup, il me passe très bien le Rox. Hein. La musette animée, c'est extrêmement fort, hein, sorte de Lenutrophe qui permet de partager les dégâts et ça empêche de caler un focus. Du coup, il n'est pas stimulé mon Eka, ça c'est un peu triste. Je vais le mettre là, le Yop. On va venir stimuler l'Eka Flip. Hop. Alors moi, il faut que je me débuffe l'héros, bien sûr. Donc je vais simplement venir mettre un coup de corrompu, le débuff héros et venir chercher ici l'émeraude. Ok, la musette c'est terminé, ça c'est une bonne nouvelle. Et avec le Xel là, alors on va voir ce que fait Lenu bien sûr, hein, ça va être assez déterminant. Il peut aller chercher, de la ligne de vue par là. Moi je vais essayer d'aller caler du gros retrait en zone avec mon Xelor ici. J'ai aussi j'ai une synchro qui pour l'instant n'est pas très intéressante. Il décide d'y aller sur mon lapin, alors je l'ai vu avec deux PA restants, je sais pas si c'était un bug ou pas. Ah ça m'embête ça. Oh quoique. Que non en fait. On va simplement y aller sur. On va mettre un shaft, tiens. Hop. Merde, c'est pour ça que je voulais faire. Ah, oh, je joue comme une quiche tout le temps là, c'est chiant. Bon, bah j'ai mis un shaft qui ne sert à rien. Hop, tant pis. Hop. Et bon, bah j'ai foiré mon tour comme d'hab, comme une grosse daube. On commence à connaître. Oh là là là, quelle tanche! Je suis vraiment une quiche hein, des fois. Et là en plus comme je suis vénère, comme je suis sur les nerfs à cause du colis de tout à l'heure, là c'est bon, je fais n'importe quoi. Ouais, du coup Lenny qui va faire sa life, j'aurais dû légumiser bien plus que ça. Enfin, le chaf, je voulais faire une TP, mais j'ai mal calculé mon truc. Enfin bref, la classique hein, quand je joue comme une merde, vous connaissez. Lenny, ouais bon, un PA. Là je vais pouvoir cogner sur le Yop par contre, ça va être sympa. Je suis encore boosté à la roue de la fortune, faut que je me refasse le trèfle. Hop. Alors, je peux lui faire deux audaces, un esprit félin, ça me laissera 6 PA. Et elle est terre. Et donc, on va plutôt y aller comme ça. Une audace ici. Un esprit félin. La mésaventure que je vais mettre ici. Et la tromperie. Oh, les dégâts de la tromperie, regardez ça, 1300. Violent, c'est très violent. Je viens ici le tacler un poil, il a 3 PA. Bah là, il va être un peu embêté. Oh, le Rox de l'Ekaflip, c'est quand même quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, ils l'ont up à la prochaine mage, alors me demandez pas pourquoi, je trouve ça complètement débile. S'il y a bien une classe qu'il aurait fallu nerf au niveau du Rox, c'était l'Eka, et ils ont décidé d'en rajouter. Bon, bah c'est en cama, hein. Faut pas toujours chercher à comprendre, des fois c'est un peu mystérieux. Hop! Que faire de plus? Je suis un peu triste pour mon lapin qui va y passer, mais bon, c'est comme ça. On va dire GG. Bon, GG à vous, hein, sur ce colis, du coup, là, je suis désolé, hein, je suis un peu à cran, donc je suis peut-être moins communicatif qu'à d'autres moments.
En plus, le colis de tout à l'heure, je vous aurais montré quelques petits extraits, mais j'avais enfin un super tour de Rox avec Lekka après une dizaine de tours, et je raconte mon tour, je dis « Oh, ça m'énerve, machin », et bam, je clique, et mon Eka qui se barre avec un misclick alors qu'il pouvait terminer le Xal en face. Enfin bref, c'était ça pendant tout le combat, quoi, c'était assez chiant. Il a fait quoi? Il continue à taper un peu, bon, faut que je fasse gaffe du coup. Il abandonne pas, je vais ramener Lenny. Hop. Là, on va légumiser tout simplement. Hop là. Hop. Hop. Et remettre le cadran dans la zone. 8. Voilà, c'est correct. Allez, le chaff. Ah, c'était super rentable de mettre ce chaffeur. Il a mis un coup du chaffeur, c'est nickel. Lenny qui se retrouve à 9 PA, a priori. Voilà, je vais pouvoir y aller avec mon Eka Flip à nouveau. Il est taclé. Il y va en retrait à nouveau, ouais, d'accord. Ça a l'air d'être un ennemi retrait. Ou non, il fait peut-être juste ça pour essayer de s'enlever un peu de Rox qui va se prendre. Bah moi je suis parti, hop. Les audaces, passe à 600. La mésaventure là qui tape le lapin, je vais la mettre ici. Hop là, mésaventure. Ouais, tous les sorts tapent entre 500 et 600 quoi. Moi là on est sur des grosses raises. Et j'ai plus mes boosts, avec les boosts hein, vous avez vu que ça monte bien au-delà de ça. C'est quand même du sacré Rox, hein, y a pas à dire là-dessus. Et on va pouvoir passer le kill. Hop. Qui a besoin de soins? Pas lui, pas lui. Moi un petit peu la limite. Par un mot de régène. Non même pas, je vais mettre un vivifiant sur les cas. Il pourra lui servir à. Hop, à aller chercher hein, les dégâts plus rapidement sur les nus. Allez, là, faut qu'il fait une décadence, c'est bien, ça va lui faire prendre plus de dégâts. Il n'a pas l'air de trop faire durer. J'ai une belle synchro à faire péter là, est-ce que je peux la mettre? Ah bah, super. Ok, je vais voir avec un. Mais je voulais pas cliquer, je voulais pas cliquer, bordel. On va voir si on peut caler un truc comme. Ah bah, j'ai pas ma cavotte, c'est bien. Hop. Cadran, je le décale. Je peux la mettre. Et bon, c'était relativement utile, on va dire. Et là, du coup, je suis bloqué. Par une momif. Bon, j'aurais pu mettre du retrait, mais concrètement. Là, ça va être terminé, hein. Il n'y a plus vraiment lieu de faire durer quoi que ce soit. Est-ce que je me refais un petit boost? Allez, hop, on va se mettre un peu de Rox pour le plaisir. Je vais me faire un rugissement. Je peux faire rugissement, ça va me laisser. Ouais, rugissement. Ou alors, tout ou rien, ça tape. Ah oui, ça tape quand même. Ok, on va y aller comme ça. Hop, hop. Bon, de toute façon, je sais même pas pourquoi je m'embête à calculer les PA, je le termine 1000 fois. Et on va y aller au lapement pour changer un petit peu. Voilà, donc colis qui aura été assez rapide. Qui monte mon Eka Flip à 4515 de cote. Ah, voilà, donc j'ai eu deux victoires aujourd'hui. Maintenant là, je suis sur le Xel. Eka Flip, il est là, voilà, j'ai eu la victoire d'avant et 4515. Et il y a Lenny qui a un peu plus, 4521. Voilà, parce que Lenny et le Xel, j'avais joué beaucoup avec d'autres compos. Lekka, il a pas beaucoup fait de colis pour l'instant, donc il a une cote un peu plus basse. Mais là, les cotes, hein, je m'en fous un peu, enfin, je fais ça rapido. Ça. Mais je suis déjà dans le top 5 ladder Eka Flip avec mon Eka, ça me surprend un petit peu que ça monte aussi vite. Mais là, comme ça va être reset à la prochaine match, dans quoi? Dans 15 jours à peu près, ça vaut pas la peine que je m'embête. Bon, je regarde mes codes par réflexe, et puis aussi pour savoir à peu près le niveau des colis, mais là, il n'y a pas vraiment d'objectif derrière, quoi. Voilà. Bon, allez, je vais aller me calmer un peu, moi. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.